Bienvenue les amis, dans cette vidéo, on va voir un exemple formidable d'utilisation de l'impression 3D pour à la fois éliminer les opérations pénibles et diminuer le taux de rebut d'un process. C'est Mathieu de l'entreprise Astil Flash Atlantique qui a bien voulu répondre à mes questions et qui nous explique comment l'impression 3D est venue petit à petit s'intégrer dans la chaîne de valeur de l'entreprise, permet de gagner de la pénibilité, permet de gagner du temps et au final permet d'ajouter de la valeur à la production de Astil Flash. J'ai d'autres interviews formidables encore dans les tuyaux, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour n'en rater aucun. Sans plus de transition, je vous laisse découvrir ma deuxième interview de ma série « Gagner de l'argent et du temps avec l'impression 3D ». Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'interview, c'est vraiment super sympa de ta part. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter un peu l'entreprise dans laquelle tu travailles? Niveau parcours professionnel, j'ai commencé par un bac option mécanique, donc anciennement tonneur fraiseur, F1 pour les plus vieux. Ouais, je connais. Ensuite, j'ai fait un BTS maintenance. Suite à ça, tout de suite après, j'ai trouvé un job en intérim dans une entreprise qui est actuellement Astil Flash. Et j'ai fait un an de maintenance dans le service maintenance. Suite à ça, il y a eu une baisse de charge dans l'entreprise. Donc, quand j'étais en intérim, ils m'ont pas renouvelé mon contrat. Je suis retourné voir mon ancien lycée. Et mon ancien lycée m'a proposé un poste dans l'hydraulique, le pneumatique, le dessin industriel. Donc, un petit peu tout ce qui m'intéressait. Et j'ai fait 6 mois de prof en remplacement de maladie longue durée. Suite à ça, ma boîte m'a rappelé parce qu'ils avaient retrouvé une charge importante et ils m'ont réembauché en CDI, mais là plutôt dans la partie méthode. Et de fil en aiguille, en fait, je suis passé de méthode à process. Donc la boîte qui m'a embauché, c'est Astil Flash. En tant que technicien process, Astil Flash, c'est une entreprise qui fait des cartes électroniques. Donc c'est tout ce qui est des cartes électroniques plutôt orientées haut de gamme, c'est-à-dire qu'on est plutôt orienté vers le militaire, l'aéronautique et un peu de médical et du grand public. D'accord. Donc plutôt des cartes à forte valeur ajoutée. Et donc, voilà. Donc il y a eu une histoire imprimante 3D, impression 3D dans cette entreprise. Est-ce que tu en es l'instigateur? Oui et non, dans le sens où mon responsable, au début de la nouvelle technologie des imprimantes 3D, il y a quelques années de ça, c'est-à-dire en 2015-2016, on commençait à en parler un petit peu. Et nous, on avait un problème chez nous, on vernissait les cartes. Et pour vernir ces cartes, on utilisait beaucoup de scotch papier, donc du scotch... Scotch de masque. Et en fait, on met ce scotch sur tous les connecteurs des cartes électroniques pour pas les vernir. Le gros problème de ce truc-là, c'est que ça implique d'avoir énormément de temps parce que chaque connecteur, il faut bien le masquer. C'est très très long comme étape. Et ça commence à se démocratiser, les imprimantes 3D. Et on a donc pensé à fabriquer ce qu'on appelle des petits caches en impression 3D pour remplacer ce scotch de masquage. Et en fait, on a acheté notre première imprimante comme ça pour essayer. Le point de départ de l'imprimante 3D chez nous, c'était pour arrêter le scotch papier et mettre des caches à la place. D'accord. Okay. Ouais. Usage numéro 1, donc les connecteurs, masquage des connecteurs pour le vernis. Donc grosso modo, c'était ces petits caches, hein, tout simple. Voilà. D'accord. Et donc en fait, maintenant, t'as des boîtes de cache et vous les imprimez en exemplaires et vous les clippez sur les connecteurs. Tout à fait, c'est exactement ça. On les clippe sur les connecteurs et quand on vient vernir en vernissage automatique ou pistolet manuel, on ne vernit plus les connecteurs. D'accord. Et est-ce que ces caches sont réutilisables ou alors vous ne pouvez pas les réutiliser? Oui, alors c'est des caches qui sont réutilisables un certain nombre de fois en fonction de l'épaisseur du vernis. D'accord. Donc oui, ces caches sont réutilisables plusieurs dizaines de fois. Et quand ils sont trop épais, parce qu'il y a trop de vernis dessus, on les met à la poubelle et on n'en réimprime. D'accord. Et premier usage. Et effectivement, je vois très bien le gain monstrueux de temps et de galère, parce que le scotch de masquage, non seulement il faut le poser, mais après il faut l'enlever, il peut y rester de la colle. Donc, et voilà. Ça impliquait aussi, comme ça reste de l'économie, certains connecteurs étaient tellement fragiles que quand on venait enlever le scotch papier, on venait détruire le connecteur. D'accord. On venait casser, débraser les pattes du connecteur.
Donc ça impliquait une réparation d'autant plus importante qu'il fallait dévernir la carte. Enfin, c'était très très compliqué. D'accord. Quels sont les autres usages qui vous sont venus du coup après ? Parce que souvent, on a un usage premier, on va dire initial, et puis après, on en découvre d'autres. On a des plasturgies où on vient intégrer nos cartes électroniques, on vient les intégrer dans de la plasturgie. Ces plasturgies, en général, c'est vraiment des formes complexes arrondies dans tous les sens. Et c'est vrai qu'en récupérant les données clients, on arrive à faire... Parce qu'on peut comparer ça à du contre-moulage. En fait. Mmh. On vient réimprimer la pièce en négatif pour faire un support de cette plasturgie. Donc ça, quand on la plasturgie, quand on vient la poser sur le poste de travail, elle est bien droite, bien plan et stable. Oui, ça vous permet d'avoir tout simplement de l'outillage sur mesure ergonomique pour que les machins ne tombent pas, pour que au lieu que ton boîtier il soit tout bancal sur la table et que tu sois obligé de le caler avec de la mousse, bah là, clac, il a son petit logement en contreforme, tu le poses dedans, c'est nickel, tu es impec pour travailler et c'est relativement rapide à fabriquer. Tout à fait, c'est exactement ça, de faire des contre-moulages. Donc cette petite pièce-là, en fait, c'est une pièce qui se trouve dans une machine chez nous. Dans cette machine, on avait deux petits pignons reliés par une petite chaîne plastique. D'accord. Et deux petits pignons, c'était les mêmes. Donc, il y avait un rapport de 1 pour 1. Quand on venait tourner, ça renvoyait par la chaîne, ça faisait un rapport de 1 pour 1. Le problème, c'est que quand c'était du 1 pour 1, c'était très, très direct et on manquait de précision. Donc, j'ai juste réimprimé une petite roue dentée de diamètre plus grande, avec trois fois plus dedans. Donc du coup, maintenant, on a un rapport de 3 pour 1. La chaîne, elle était équipée d'un petit tendeur. Et d'accord. Donc le tendeur, je l'ai mis au minimum. Et du coup, c'était suffisant. Impeccable. Génial. Ouais. Alors là, ça, c'est super. Bah ouais, donc ça, super exemple. Donc ça, c'est pareil. Ça a développé, c'est pas grand-chose. Hein, c'est juste un petit pignon. Ah oui, c'est rien à faire. Ouais, c'est rien à faire. Et en termes de précision, on a gagné... énormément, trois fois de précision. Ouais, trois fois plus. Génial. Des petits outillages comme ça. Oui, alors ça, je me demandais ce que c'était. C'est intéressant parce que j'ai cogité un peu là-dessus. Donc ça, en fait, on a un client qui a une antenne GPS sur un boîtier et cette antenne, il faut la visser à un couple bien précis. D'accord. Sauf que l'inconvénient de cet écrou, c'est que c'est un écrou molleté. Donc, on ne peut pas mettre de... Oui, tu ne peux pas mettre une clé, une douille, tu ne peux pas mettre de douille. Voilà, ouais. On peut ni mettre de douille, ni de clé fourche. Et en plus, l'inconvénient, c'est que cet écrou se trouve logé au fond de la plasturgie. Donc, il fallait déporter la clé pour pouvoir visser l'écrou. Donc, en fait, c'est une clé dynamométrique, plus simple, et avec un système de déport. Et quand on vient mettre l'écrou là, quand on vient visser... On vient visser au coupe. Ah, extra! Au fond de la gorge. On vient visser au coupe. Ouais. Au fond de la... Comme ça. Excellent. Voilà. Super. Donc ça, c'est pareil. Ça se trouve pas dans le commerce. Enfin, c'est pareil. Ça a mis de 2 heures à concevoir. On a répondu aux clients très rapidement. Ouais, c'est excellent. Hein. Excellent. Oui, de toute façon, c'est. Voilà, l'outillage sur mesure, c'est vraiment le domaine de prédilection. Ah, ouais. Voilà, c'est le domaine de prédilection de l'impression 3D. Un autre exemple, je t'ai envoyé la photo, je n'ai pas là l'outillage, mais je t'ai envoyé la photo d'un tournevis dynamométrique avec un petit hexagone jaune. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est pareil. Ça, c'est, on devait serrer un écrou de connecteur en façade d'un boîtier, un couple bien précis. L'inconvénient, c'est que l'écrou était tellement fin. Quand on venait mettre la douille avec le tournevis dynamométrique, on venait rayer la façade, en fait, avec la D'accord. douille. Enfin, rayer. On venait plutôt polir la surface qui était elle mate. Et donc, ça a créé un défaut d'aspect cosmétique que le client ne voulait pas. Bah oui. Pour résoudre ce problème, j'ai juste imprimé la petite douille jaune qu'on vient mettre au fond de la douille. Et maintenant, c'est cette pièce jaune qui vient en buter contre l'écrou, et puis la douille en buter contre la façade du boîtier. Et ça, cette petite pièce-là, on a rencontré le problème le jour de la première intégration du prototype avec le client. Entre deux discussions, j'ai vite fait modéliser cette petite pièce-là. On est parti manger. Pendant qu'on est parti manger, j'ai imprimé la pièce. On est revenu, on a essayé, on a résolu le problème comme ça. Problème réglé. Ah, ça, c'est... Super histoire, là, vraiment. Ah ben, là, et puis c'est véridique, quoi. Et le client, il était très content parce que à midi moins 5,
il avait un problème, on va manger, il revient de manger, plus de problème. Ouais, ça c'est... Là, le client, tu te le mets dans la poche. Des petites astuces comme ça, en fait, on répond au problème du client très rapidement et il est satisfait tout de suite. Hein. Ouais, c'est très très bien, très très bien. Un petit truc sympa aussi, c'était la petite butée, une petite butée noire. Alors ça, c'est fait en TPU par exemple. Ouais, c'est TPU place. Ouais, donc ouais. C'est mou, d'accord. Ouais. Donc ça, c'était, je t'ai envoyé la photo aussi. C'est une petite pièce noire qui se trouve en haut d'un rail à billes. Oui. Et en fait, ça, c'est une butée de porte de machine. Cette butée, à l'origine, c'était en caoutchouc tout simple, hein, de fabricant. Sauf qu'à force de se prendre des coups dans la figure, elle s'use, elle craquelle et elle se casse. Donc on rachetait des pièces, on les stockait sur l'étagère, il fallait gérer le stock, il fallait les commander en avance, il y avait toute une gestion. Depuis qu'on les imprime en TPU, on n'a plus de pièces en stock, parce que dès qu'il y en a une qui casse, on les imprime une demi-heure après, on a la pièce. Donc on ne la stocke plus sur l'étagère, donc on gagne du temps. On ne la gère plus non plus en GMAO, parce que il n'y a plus besoin, quoi. T'as juste à stocker un fichier et voilà, puis bon, t'as ta bobine de TPU et en avant. Voilà. Maintenant, au lieu de stocker une pièce sur étagère, on stocke un fichier sur un PC. Ouais, impression à la demande. Ouais, impression à la demande. Donc ça, c'est pareil en termes de gains, de temps, d'argent. C'est génial. Ah, super. Bon, ben, incroyable. Vraiment des exemples extrêmement concrets. Et qui, moi, me parle beaucoup parce que j'ai une formation technique, mais qui, je pense, parleront à tout le monde parce que c'est tellement logique, en fait, qu'on ne peut que comprendre. Passons maintenant un petit peu à votre parc. Donc, quelles sont les imprimantes que vous utilisez? Alors, la toute première qu'on a utilisée, c'était une MakerBot Replicator 2. D'accord. Oui, à l'époque, c'était bien. À l'époque, c'était vachement bien, ouais. Ouais, sauf qu'elle n'a pas fait long feu chez nous. Je crois qu'on a à peine fêté ses 1 an, en fait. D'accord. Elle tombait tout le temps en panne. Ça oui, c'était... C'est... Et puis après, là, ça a fermé, MakerBot. Enfin, voilà, ouais, c'était pas forcément très fiable. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au tout début, puis en plus, au tout début, on travaillait sur plaque de l'ABS. Donc, il y avait un effet de décollement de la plaque de verre très, très important. Puis forcément, on débutait dans l'impression 3D, donc il n'y avait pas forcément de tuto. Pour trouver des infos, ce n'était pas toujours facile. Au tout début, je collais mes pièces à la colle bâton UU carrément. Ça tient. Mais avec l'ABS, ce n'était pas terrible. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. L'ABS, c'est compliqué. Ouais. Bah, j'imagine que tu devais passer en ABS pour la résistance au vernis ou... Non, même pas. C'était parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le PLA, en fait. Ah, d'accord. Je n'y étais pas du tout intéressé. Je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, il n'y avait que l'ABS. D'accord. C'est vrai que c'était par manque d'informations, finalement. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, finalement, l'ABS, ça semblait le choix de raison parce que c'est un plastique ultra connu. Tu vois, tu t'es dit, OK, c'est de l'ABS, no problème. Quoi. Voilà, le PLA, c'est quoi ce truc? Tu vois, je veux dire, tu l'as mis dans de maïs au début, tu te dis, c'est bon, on ne va pas faire des pop-corn. Quoi. Et donc, c'est un petit peu, tu vois, au début, tu as une certaine défiance et donc tu vas vers des choses connues. Et il se trouve que dans la pratique, l'ABS pose des problèmes, à l'impression que le PLA ne pose pas. Donc, c'est sûr. D'accord. Donc, OK. Voilà. Donc, MakerBot, après... MakerBot, elle a fait à peine 1 an. Et tout de suite après, on voulait quelque chose de plus fiable quand même. Puis en plus, toutes les imprimantes chinoises n'existaient pas encore sur le marché. Donc, on s'est tourné vers Ultimaker. Donc, on a commencé par une Ultimaker 2. Oui. Et là, j'ai rien contre celle-là et la MakerBot le jour et la nuit. Plus le PLA. Donc là, on a commencé à faire des cages pour le vernissage, mais limite, avec elle, est tournée 24 sur 24. Mais elle faisait que ça. Et elle fait encore que ça, d'ailleurs. Donc, on a utiliser une Ultimaker 2 et suite au développement des gabarits de positionnement de la plastrologie, on a voulu s'orienter vers quelque chose de plus gros et on a acheté une Ultimaker 3. D'accord. La gamme un petit peu en dessus avec double extrusion. Et suite à ça, ça ne nous visait toujours pas, donc on a acheté une S5 et on a racheté même une deuxième S5 pour un autre site en Normandie. D'accord, toujours chez Ultimaker alors.
Toujours, si je dis, on a. Vous êtes, vous avez un bon retour. C'est des machines fiables. Vous êtes habitué au logiciel, donc il n'y a pas de raison d'en changer. C'est sûr. Voilà. Dans une logique industrielle, c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. Les fichiers sont compatibles. Voilà. Oui, et puis pour une PME, c'est une entreprise de combien de personnes à style Flash? Alors sur le site ici, on est 280. Oui, mais c'est même plus qu'une PME. Ouais, c'est déjà donc c'est pas un investissement. C'est pas un investissement très important, donc le ratio est vachement intéressant. En fait. Ben, l'Ultimaker 2, quand on l'a acheté, rien qu'à faire les caches 3D pour le vernissage, elle a été rentable au bout de quelques mois, deux, trois mois, elle était rentable. Le gain de productivité. Oui, le gain de productivité, c'est sûr. Moi, tu vois, ma série s'appelle un petit peu « Gagner de l'argent avec l'impression 3D », mais souvent, c'est des gains indirects. C'est finalement assez rare, les entreprises qui arrivent à avoir un gain, enfin un usage direct. Il y en a, hein, j'en connais, mais c'est vrai qu'il y a souvent un gain indirect et on n'a pas forcément besoin de machines ultra chères pour avoir ce gain indirect, comme c'est exactement ce que vous avez là. Vous gagnez du temps, vous gagnez de la productivité, vous gagnez de la fatigue, et donc à la fin, tu gagnes de l'argent parce que ton process, il est mieux, quoi. Il est plus performant, plus efficient, tu gagnes de la productivité. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que quand tu m'as parlé de ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que l'usage que vous avez trouvé, là, protéger ces connecteurs, c'est un truc, si tu veux, en tant que moi, je fabrique des cartes électroniques, mais j'ai jamais, enfin, je fais fabriquer des cartes électroniques, mais j'ai jamais forcément pensé à ça. Parce qu'en fait, toi, vous avez ce besoin parce que vous êtes dans le haut de gamme et parce que vous faites des trucs étanches et parce que c'est pour l'aéronautique et que moi je me dis mes PCV ils sont vernis. Oui, non, mais là en fait c'est un vernis qui est appliqué après coup pour protéger le composant qui est déjà soudé. Alors que mes cartes à moi elles sont vernies avant de passer dans le four, etc. Quoi. Donc, Ultimaker. Donc j'imagine que vous utilisez Cura hein, pour les Ultimaker, le logiciel fourni avec. Voilà. Et dans l'entreprise, qui c'est qui conçoit les pièces? Qui conçoit les pièces et avec quel logiciel? Donc c'est toi le monsieur DAO. Ouais, parce que c'est vrai qu'à la base, donc je m'occupe de plusieurs process au sein de l'entreprise. Et j'ai notamment une casquette qui est de concevoir des outillages et ou des bancs de test, par exemple. Donc c'est vrai qu'à la base, avant d'utiliser les imprimantes 3D, j'avais déjà la connaissance de SolidWorks. Donc j'utilise beaucoup SolidWorks pour tout ce qui est conception mécanique de bandes test et de petits outillages. Et c'est vrai que naturellement, quand on a passé à l'imprimante 3D, forcément SolidWorks c'est un peu de lui-même. Pour une entreprise pro, un logiciel pro. C'est ça. Donc toi, tu t'étais déjà formé en fait sur le logiciel. Oui, moi j'étais déjà formé sur le logiciel à faire des petits outillages. Alors, les outillages, avant, je les dessinais et j'envoyais ça fabriquer dans un petit temps, un utineur ou autre, qui me les faisait. Quoi. Mais c'est vrai que depuis l'imprimante 3D, plus ça va, moins on passe par des traitants, des usineurs. Bien qu'on aura toujours besoin d'usineurs, mais c'est vrai qu'on est un peu plus réactif. Oui, voilà. Disons que ça ne sert pas forcément à faire la même chose. Quoi. Non, parfois, quand tu as besoin d'un peu de résistance mécanique, un peu de précision, tu vas passer par l'usineur et puis quand c'est moins critique, tu vas le faire toi-même avec l'impression 3D. Au niveau de l'entreprise, donc toi tu as suivi toute cette évolution. Est-ce que tu as senti vraiment un avant-après ou alors c'est juste quelque chose d'assez fluide et finalement ça s'est fait de façon assez normale? Ou alors vraiment il y a aussi un truc du genre on ne reviendrait plus jamais en arrière, tu vois? Est-ce qu'il y a ce sentiment un peu ou pas vraiment? C'est vraiment intégré, c'est naturel. Maintenant c'est devenu. Il n'y a pas eu un avant-après franc en fait. D'accord. C'est vraiment une évolution dans le temps qui fait que plus ça va, plus ça s'est déployé. Et c'est vrai qu'actuellement, je pense qu'on n'arrivera pas à faire 100. D'accord. Mais c'est vraiment monté en puissance tout au long des années, au cours des années. Et maintenant, faire sans impression 3D, je pense que ça serait très 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 dur. Quoi. D'accord. Et le scotch de masquage, puisque tu as un rouleau, c'est que vous l'utilisez toujours. J'imagine que tous les connecteurs ne sont pas traités. Non, parce que pour plusieurs raisons, il y a certains, alors je parlais notamment des connecteurs, mais il y a certains d'autres composants qu'on vient masquer aussi pour plusieurs raisons. Et ces connecteurs-là sont soit très fins, soit une topologie où on ne peut pas mettre de capot dessus. Donc on a toujours un petit peu de scotch papier, mais beaucoup moins qu'avant.
Donc là, les perspectives que vous avez sur l'impression 3D, c'est quoi vous, y a, tu, ça va rester juste toi ou il y a d'autres personnes qui vont être formées ou c'est, Actuellement, donc, comme je te disais tout à l'heure, on est tellement content de l'impression 3D et de la machine en elle-même qu'on en a acheté pour notre site en Normandie. D'accord. Parce qu'on peut savoir qu'à Steel Flash, il y a un site à Langon ici. Mm-hmm. On est basé tout autour du monde et on a un autre site à Rouen. Et donc du coup, eux, c'est pareil, ils travaillent dans la même façon. Et on leur a acheté une imprimante aussi 3D, la même que une Ultimaker S5 aussi, la même que la mienne, pour pouvoir faire les mêmes types de projets que ici. D'accord. Et c'est toi qui leur envoies les fichiers ou alors ils se forment ? Il y a un petit peu des deux. Pour l'instant, ils commencent à se développer aussi. Donc c'est un peu nouveau pour eux. Et donc pour l'instant, je leur envoie des fichiers, je travaille des fichiers, je leur envoie et les imprime chez eux. Et c'est vrai que plus ça va, plus ils ont tendance à prendre la main et à concevoir des petits outillages et à les imprimer. Et au fil du temps, ils vont D'accord. Oh ben c'est super. Écoute, vraiment, merci. Ça me fait plaisir d'avoir pu en discuter avec toi. Et merci, tu remercieras aussi les cadres qui t'ont autorisé à faire cette interview. Salut. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons une encyclopédie vivante de l'impression 3D et de l'OAT 3D. Il s'agit de Bertrand de WeShape 3D. Il en connaît vraiment un rayon et depuis des années sur l'impression 3D, donc ça sera très intéressant. Abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait pour être averti de ce prochain épisode. Et pensez à mettre un petit pouce vers le haut pour signaler à YouTube que ce contenu est de qualité et que vous voulez le mettre en avant, que vous en voulez plus de ces interviews. À bientôt.